Bien le bonjour les amis, c'est Denis de la chaîne La Passion du Modélisme. Je suis très content de vous retrouver après cette fête de Noël bien digérée. Désolé, je sais que ça fait quand même pas mal de temps que je n'ai pas posté, mais j'ai été malheureusement pris par le temps. Je n'ai pas su m'attaquer non seulement aux maquettes, mais en plus au montage, donc vu que je n'avais rien à vous mettre sous la dent. Donc voilà. Comme promis, cette vidéo-ci donc va concerner le Bismarck. Voilà. Donc je vais vous expliquer donc là où on en est. Je vous avais dit que je commencerai donc par les embarcations. On va commencer donc par les embarcations donc. J'ai peint donc toutes les embarcations que j'ai en ma possession, donc en Barlet Gray, de chez Vallejo Model R, donc c'est celui-ci. Donc voilà, donc le 71051. Voilà. Ce que nous allons faire, y aura pas mal de peinture au pinceau, vu qu'il y a quand même pas mal de détails. Ce que je vais faire, sur la notice, ils nous disent qu'il faut donc assembler les assemblages ici. Pas de problème, ça a déjà été fait. Ils sont ici. J'avais déjà fait un test avec de la peinture Tamiya au pinceau, mais enfin, franchement, pas concluant du tout. Ce qu'on va faire, on va repasser de la peinture Vallejo par-dessus ces pièces au pinceau et ensuite on prendra ces pièces qui ont été peintes et on le retirera de la pâte à fixe que j'ai mis pour les peindre et on fera au pinceau la peinture sur le dessous. De toute façon, le dessous c'est pas vraiment une zone qu'on verra beaucoup, voilà. Je vais faire ça au pinceau. Je pense qu'arrivé à cette étape-là, je pense que ça sera déjà pas mal. Voilà. Je vais faire ça. Et on en terminera avec cette vidéo. Et lors de la prochaine vidéo du Bismarck, je vous montrerai toutes les vedettes peintes. Je ferai ça hors caméra. C'est un peu pour vous montrer en quoi ça consiste, quoi. Enfin voilà. On va prendre un pinceau relativement fin parce que c'est quand même des détails assez fins. Alors, quel pinceau je vais prendre? Ouais, donc celui-là, c'était très bien. Donc celui-là. Donc là, on va prendre du 71041 Armour Brown de chez Vallejo Model R. Très bonne peinture au pinceau, je n'arrête pas de le répéter. Franchement, j'adore cette peinture au pinceau. Pour moi, c'est vraiment la meilleure. Et donc, on va y aller. Donc, je vais rapprocher. C'est parti.
Hein, il faut aussi que je vous dise, j'ai eu pour ma Noël, on m'a offert une cabine de peinture. Donc, que je sais, je viens de la tester donc avec pour peindre donc ces canaux. Franchement, nickel, ça va bien. Très content de ce cadeau. Merci maman, merci papa. Ouais, mes parents me font encore des cadeaux à 35 ans. Bon, désolé pour le petit hors-cadre. Donc voilà, donc celui-ci, il est peint. Essayez de prendre un petit peu de pâte à fixe. Ce sera plus simple. Voilà. C'est tout de suite plus confortable pour peindre, plutôt que d'avoir de la peinture sur les doigts. Donc vous voyez la Vallejo, même sur la photo découpe directement, aucun problème. Peut-être passer un petit peu, peut-être une petite deuxième couche. Au pinceau, ah bon, rien, c'est rien de bien méchant. Hein. Vous me direz, ouais, pourquoi Denis n'a pas utilisé un primaire avant de peindre sur de la photo découpe? C'était tout simplement par fainéantise en fait. J'avais pas trop envie de. D'habitude, je mets un primaire, mais là, vraiment, pour ces petites pièces, j'avais pas trop envie de mettre un primaire. Sur les canaux, j'ai mis un primaire il y a déjà bien longtemps, donc un primaire en bombe de chez Tamiya. Mais je les ai mis il y a vraiment très longtemps. Je vais faire sécher 5 minutes et je vous reprends tout de suite après pour repasser une seconde couche, ou alors je sais pas, je ferai peut-être ça hors caméra et on fera la suite ensemble. Enfin voilà, à tout de suite. Voilà les amis, donc les deux pièces sont sèches. Donc maintenant ce qu'on va pouvoir faire, donc on va retirer donc les canaux, donc la pâte à fixe sur les canaux. Voilà.
Et on va repeindre au pinceau donc la peinture qui manque, tout simplement. Donc on va prendre donc le Barley Gray, donc le 71051, qui correspond au RAL 7001 sur le vrai Bismarck. Donc c'est la teinte officielle. Non, mais pas de trop, hein, il n'y a pas besoin. Donc je vais agrandir un petit peu. Désolé, j'ai un petit peu la tremblote. Voilà. Donc maintenant, on va attendre que la peinture sèche et je vous reprends tout de suite dès que c'est sec pour vous montrer le résultat. Et ensuite donc on posera donc les pièces ici sur les autres canaux ici. Enfin voilà, à tout de suite. Voilà les amis, donc les trois pièces sont sèches. Donc maintenant on va pouvoir donc celui-là on va le laisser de côté, le plus petit. Mais ceux-là donc on va pouvoir coller les deux pièces ici. Enfin voilà, donc on va y aller. Donc on va prendre, comme d'habitude, la colle 21. Et on va la poser. Attendez, je vais prendre juste une pince. Regarde bien dans quelle position la pièce doit se trouver. Donc c'est le trou là juste derrière. Voilà. C'est parfait. Donc au niveau ajustement, il n'y a rien à dire. Ça tombe pile poil dedans. Maintenant, on va faire l'autre.
de pièces. Et on va positionner au même endroit. Et voilà, nickel. Ça tombe pile poil dedans. Rien à dire. Parfait. Nickel chrome. Voilà les amis, donc les deux canaux ici, et pour juste pour vous montrer en fait sur une des vedettes, ça en fait ça vient dans les encoches qui ont été faites par ici, et vous voyez ça tombe pile poil, voilà, ça tombe pile poil dedans, donc pardon, excusez-moi. J'étais pas dans le cadre. Voilà, ça tombe pile poil dedans. Donc c'est comme ça que sa pièce va venir se positionner. Donc il y a encore une pièce qui va venir se rajouter sur le pont de la petite pièce ici qu'on mettra plus tard. Vous voyez vraiment la qualité des pièces. C'est du caviar. Hein. Enfin voilà. Alors voilà, donc les amis, donc on en a terminé pour cette vidéo sur le Bismarck. Donc on a quand même pas mal, enfin j'ai pas mal travaillé donc sur ces pièces. Donc je voulais quand même vous montrer le résultat sur ces vedettes. Donc franchement, ça paraît être des petites pièces, mais franchement, ce qui a été fait au préalable ici sur les pièces en photo découpe, c'est quand même pas rien. Et au niveau de la peinture, ce que je vous conseille vraiment, c'est il y a moyen de le faire avec de la peinture Tamiya, mais moi personnellement, je n'y suis jamais arrivé à l'utiliser au pinceau. Moi, ce que je conseille toujours, c'est au pinceau utiliser de la Vallejo, hein, soit de la Model Color légèrement diluée ou de la Model R. Là, il n'y a même pas besoin de la diluer, vu qu'elle est déjà un peu diluée. Donc, vu que c'est une peinture qui est faite pour être passée directement à l'aérographe. Mais même à l'aérographe, moi, je rajoute toujours un peu de diluant, donc à 25%. Donc, si je mets, par exemple, 4 gouttes de peinture, je mets toujours une goutte de diluant, le Airbrush Thinner, donc celui-ci. Donc, enfin voilà, n'hésitez vraiment pas à l'utiliser, ça coûte pas bien cher. Et franchement, il n'est pas très difficile à utiliser. Donc ça, je vous le conseille toujours. Enfin voilà les amis, donc on en a terminé donc pour cette vidéo. Donc la prochaine vidéo, j'espère, elle arrivera quand même assez vite. Ce sera certainement sur le Vosper. Donc vraiment, toutes mes excuses pour ces 15 jours d'inactivité. Mais malheureusement avec les fêtes j'ai eu quand même pas mal de choses à faire. Je vais pas dire de travail parce que je suis en congé depuis une semaine, mais bon, avec les fêtes, je ne vous cache pas, ça demande quand même pas mal de temps, puis aller dans la famille et tout ça, enfin voilà. N'hésitez pas à faire donc des petits pouces bleus. Et n'hésitez pas surtout à vous abonner. Donc ah oui, encore une chose que je voulais dire, on a dépassé les 300 abonnés les amis. Donc on en a à l'heure où je vous parle, donc à 304 abonnés. Donc franchement, merci à tous. Donc j'ai atteint mon objectif de cette année. J'espère arriver pourquoi pas aux 600 abonnés pour l'année prochaine. Enfin voilà, c'est mon objectif, donc il n'y a que vous qui pourrez m'aider à atteindre cet objectif. Donc, continuez donc à mettre des pouces bleus sur les vidéos. Et n'hésitez surtout pas à poser des questions si vous avez des questions sur la chaîne ou sur les maquettes que je fais. Donc, franchement, n'hésitez pas, je suis aussi là pour ça. Enfin, voilà. Donc, on se retrouve très prochainement. Donc, j'espère pas à 15 jours cette fois-ci. Donc, enfin voilà. Donc à très bientôt les amis. Tchuss.